Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de l'épopée The Evil Within. On est donc à la huitième partie, si je dis pas de bêtises. Et donc dans la dernière partie, on était rentré dans un manoir. On était au chapitre 9. On était rentré dans un manoir. Et il fallait donc activer trois trucs en bidouillant des cerveaux. Pour pouvoir accéder à une salle qui était verrouillée. Voilà, là je vais me mettre un coup sans faire attention. Donc c'est reparti, et donc il fallait que j'aie 30 000 trucs de bocal de pipi en bas à gauche pour pouvoir augmenter mon endurance à blinde. Donc c'est parti, hop, on retourne dans le manoir. Et donc on avait fait le truc à l'étage. On avait été à l'étage. On va se garder le bas pour la suite. Donc on avait fait l'étage... Ah merde, non d'accord. Ah attends. Ah non, c'est par là. On va prendre le flingue. Attention. Péter ces trucs là. Donc du coup il nous reste... Il nous reste les deux trucs à activer. Ah, une seringue. Ça, c'est toujours cool. Bon, et puis il y a l'autre qui nous poursuit, là. Alors, j'ai trouvé un truc mémotechnique pour me rappeler de son nom. Parce que à chaque fois, je galère. Alors, c'est Ruvik. Alors, pourquoi Ruvik, vous allez me dire? Bah, Ruvik, ça fait penser à Rubik's Cube. Rubik, on est d'accord. Qui est le cube de Rubik, en fait. Ça veut dire que c'est le mec qui l'a créé, il s'appelait Rubik, tout simplement. Et donc, en japonais, Rubik, en gros, ça voudrait... c'est le B en japonais, c'est un V. Hein. Ils disent... Oh putain, ils disent jamais de V hein, au Japon. Ils le remplacent toujours par le B. Et donc, je me suis dit, bah écoute, c'est comme Rubik, mais à la place du B, tu le remplaces par un V. Et donc ça fait Ruvik. C'est pas mal, hein? Vous en battez grave les couilles? Eh ben c'est pas mal. Eh ben je suis très content de ça. Donc, allez. Bon, j'y vais comme un bourrin. Je sais pas si c'est la bonne technique. Mais on s'en tape. On va aller par là. Ok, là il y a un cutard. On va essayer de se le gauler. Ok, d'accord. Ça n'a aucun sens. J'étais juste derrière elle et elle s'est retournée au dernier moment. C'est marrant parce que le truc qu'on apprend au tout début, le truc en mode sneaky derrière pour niquer les ennemis en mode discrétion, bah ça marche plus à ce niveau-là du jeu ou... C'est parce que manque de bol, elle s'est retournée au dernier moment et j'ai pas eu de chance, quoi. Bon, c'est pas très grave, j'ai des balles de flingue, de toute façon on s'en bat les couilles. Ça c'est balles de snipe, ça c'est bien. D'ailleurs on va le recharger. Ah bah non, j'ai assez de balles. Bon, en termes de munitions, on n'est pas trop mal. Tiens, on a peut-être assez pour faire des carreaux. Là y'a rien dans les caisses ici. Ouais, tout ça c'est inutile. Ouais, tout ça c'est inutile. Ok, on va se faire des carreaux du coup. Voyons. Ici. Donc c'est R1 pour les fabriquer et carré pour changer. Hein. Faut bien y penser. Voilà, j'en ai 4. Ça c'est nickel. Allez, go. J'ai fait la zone à gauche. Et là du coup, allons par là. On va y aller tranquillement. Ok. Petite analyse. Bon, y a rien. Ah. Oh. What? What, 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 what? Ok, d'accord. Ah, il est là. Ok, pas mal. Ça fait chier. Bon, comment on va le feinter? On va essayer de le feinter comme ça. On va le faire venir là. Et après, on va aller direct dans la salle de save. Parce que je pense que c'est le seul endroit dans lequel il peut pas aller. Bon, s'il se retépaye pas devant nous et tout, normalement ça devrait être bon. Hein.
Ça se trouve, même dans le hall, en fait, il peut pas y aller. C'est bon? Ça a l'air d'être good. Bon, en fait, c'est un peu aléatoire, quoi, j'ai l'impression. Du coup, ça va. Ça me fait pas trop bader. C'est vraiment aléatoire de la personne, quoi. Alors, note de la salle de musique du manoir. Deux mondes séparés par un abîme irrégulier. Au-dessus, des spectateurs anonymes rient de la tragédie. En dessous, des victimes impuissantes perdent tout. Ok, donc au-dessus... Ah, donc c'est quoi, c'est des codes? Il faut mettre des trucs? Ouais, il faut mettre un truc. Donc au-dessus, des victimes... Des queutards qui rient de la tragédie, c'est ça? Bon, ça doit être quoi, un tableau, j'imagine? Il doit y avoir un truc à récupérer sur des tableaux. Et ensuite, il faudra les foutre dans les... Dans les trous, là. Bon, on va regarder là. Peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu. Un tableau qu'on n'a pas vu. Bon, je vous le dis, je risque d'aller sauvegarder là, étant donné qu'on a fait ça. Histoire de pas perdre... Enfin, c'est pas histoire de pas perdre de temps, mais c'est de pas refaire tout ça si jamais on se fait tuer. Bon, il n'y a que dalle ici, donc ça doit pas être dans cette salle. Je vais aller voir ici. Ouais, clairement, il n'y a rien. Puis de toute façon, si on les avait, trouvés... si on avait trouvé les tableaux... Si on avait déjà trouvé les tableaux, je pense qu'on aurait... on les aurait récupérés, les trucs. Bon, allez. Je vais save. Je sais que c'est peut-être une connerie, hein. C'est peut-être une connerie, étant donné qu'on vient juste... Ta gueule. Étant donné qu'on vient à peine de sauvegarder... partie d'avant, mais bon. Voilà, en fait, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de tout me retaper. Bon, bah du coup, il reste ça. Là, il y a un tableau. On n'a pas exploré ici. Ouais, là, il y avait rien. Et là, il y a rien. Bon, allez, go. Ah, mais il y a un mec au fond, là. Ah, ils sont plusieurs. Qu'est-ce que je fais? Je balance une grenade au milieu? Non, 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 non. Donc je l'ai pas du tout balancé au milieu. On va les cramer au cas où. Merde. Peupon. Allez, cramez-moi tout cet tas de merde. Voilà. Nickelou, nickelou. Bon, on ira se faire les pièges après. Quoique je bade un peu de me... D'activer les pièges parce que... Enfin, de machiner les pièges. J'ai peur de les... J'ai peur de les foirer. De toute façon, bah là, il n'y a rien à récupérer, clairement. Il n'y a pas de tableau dans cette pièce. Je vais être sûr. Non. Donc, c'est pas ici. Ok. Ah, super. Oh, il est fat, lui. 1000. Une chiste à partir de 1000. Le liquide est rouge encore. Est-ce que je peux ouvrir ça? Non. Bon, bah go. Alors, voyons. Le liquide est rouge. C'est dégueulasse. Ah, donc là, cette fois, il faut activer l'identité. Donc c'est plus... ouais, je vois à peu près, quoi. Ok, il faut que je fasse gaffe. Donc c'est ici, quoi. Pas là ? L'imprégnation du sujet n'a réussi qu'en partie. Certains traits de personnalité. C'est entre les deux tiges.
Vous foutez de ma gueule ou quoi là? Ah, attends. Faut peut-être écouter ce qu'il dit en fait. Placement d'électrodes dans la zone de douleur M33. Inefficace. De meilleurs résultats sont à prévoir en stimulant la zone F7. Zone du consentement. Ah, c'est zone F7. Ah, d'accord. En fait, ça n'a rien à voir avec la couleur du liquide. Alors, tout à l'heure, j'ai eu de la chance, quoi. Donc, c'est ici. Voilà, c'est ça. Ok, donc j'ai perdu de la vie vraiment bêtement, quoi. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça. Comment disais-tu, ton jardin secret? Ton propre laboratoire. C'est très impressionnant. Il a créé sa propre histoire avec son laboratoire, lui. Je ne vous ai pas invité. Bon, j'ai envie... Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de me casser, là. Il me saoule. Allez, c'est bon. Allez, ça m'a saoulé. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à récupérer, là? Non? C'est étonnant, cette espèce de meuble, là. Oh, le bâtard. Oh, il m'a fait bader, ce con. Y'a pas un mec derrière, j'ai entendu courir, non? Y'a des bruits partout, hein, quand même. Il a rien drop. Bon, allez. Plus qu'un dernier. Bon. Petite save. Allez. Moi, je suis vraiment un petit zizi, hein. Un kikimou. Bon, je pense que les tableaux, du coup, sont à l'étage. Missing. Ah. Qu'est-ce que c'est? Disparu, Ruben Victoriano, le fils bien-aimé de la riche famille Victoriano, n'a pas été revu depuis l'incendie ayant touché le domaine familial. Peut-être le mec qu'on voit en fantôme, là, qui avait son petit jardin secret, comme il disait. Je suis désolé de save vraiment comme un petit kiki, mais... Bon, là, c'est histoire vraiment d'être safe, parce que si on se retape ça, bon, vous avouez que c'est un peu relou, quoi. Encore, putain, bientôt. Bientôt, bientôt. Encore 5100 litres de pipi et nous pourrons améliorer le running au maximum. Et ensuite, on s'attaquera au pistolet, je pense, et au peupon. On augmentera tout ça. Alors, attendez. Ah, là, il y a des tableaux. Est-ce qu'on l'a fait, cette zone? Je pense pas. Alors, attendez. Est-ce qu'on a fait cette zone? Est-ce qu'on peut revoir le texte qu'on a lu là tout à l'heure? Ah, il va pop là. Bon, en fait, lui, honnêtement, bon, je vois pas bien l'intérêt de... Ah, il est... Ah, merde! Ah oui, d'accord, on peut pas aller dans la salle de save, en fait. J'ai plus d'endurance. Ok, on va remonter, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, il balance des chaises et tout. Ah oui, il a l'air antisémite, en fait. C'est bon. Ouais, c'est vraiment aléatoire, en fait. Il se pointe comme ça, de temps en temps, quoi. Bon. Ok. Là, nous avons un cadran qui ne sert à rien. Une famille avec les visages déchirés. Les yeux surtout. Un platane. Un bocal de pisse. Ça c'est toujours bien. Ah. Cadran inférieur de coffre. Ce vieux cadran de coffre-fort porte les chiffres 0 à 9. Ah. Ok. Ah oui, mais alors, du coup il faut que je trouve le coffre. Le code. Je trouve l'autre partie du dessin, enfin de la peinture, non? Peut-être pour trouver le code. Ça risque d'être un peu compliqué, du coup. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah! Cool. Bon, je gaspille une munition, c'est pas très grave.
on va retourner ici parce qu'on n'avait pas assez visité là cet endroit. Il y avait un truc là, non? Bouteille, rien à foutre. On avait désactivé le piège, donc déjà c'est cool ça. On n'avait pas été voir là-haut. Sûrement là-haut qu'il y a l'autre partie du tableau ou de la peinture là. Ah. Ah voilà. 0 à 24. Peut-être le nombre de cutards. Ah mais là... Ah merde. Oh là. Ok, lui on va se le faire. Aucun problème. Quoique si rush comme ça. C'est bon. Vas-y. On va le cramer, hein, pas prendre de risque. Ok, alors attends, du coup c'est l'autre partie du tableau ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 cutards. Donc pour la partie d'en haut, c'est 11, j'imagine. Pour le cadran supérieur, c'est 11. Et du coup, le cadran inférieur, c'était peut-être du coup les deux mecs. Enfin, le mec mort et la meuf qui priait à côté de lui. Je pense que c'est ça. Donc 11 et 2, alors, ça serait le code. Enfin, les codes. Ça serait ça. En tout cas, je ne vois pas d'autre explication. Par contre, c'était où? C'était là-bas, non? Ah non, c'était en bas, c'était en bas. C'était en bas. C'était par là. Onze et deux, hein, c'est ça. What? Oh, putain, le bruit est bizarre, quoi. Sélectionner un cadran. Ok, alors 11 du coup. Et 2. Ah, c'était bien ça, je pense. Yes. Oh, putain. C'est ultra glauque. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Un bocal de pisse, s'il vous plaît? Non? Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Putain, le mec est vivant quoi. Sujet numéro 14, test 88C. Préparation limbique, troisième essai. Placement d'électrodes C4. Stimulation du gyrus arrière. Centre de l'espoir. Ah, faut faire l'espoir. Alors, c'est dans le petit trou, ok, qui est là. Donc, c'est entre les deux pics. Vers l'œil. Par là, non? Je dirais que c'est à peu près par là. C'est bon. C'est bon. Bon bah voilà. Eh, on s'en est bien sorti, moi je trouve. Excellent Megaman. Écoutez. Oh putain. N'a pas reçu la contribution habituelle de ta famille cette année. Ça vous étonne? Qu'est-ce que votre hôpital a fait pour mériter notre contribution? La famille Victoriano s'est toujours montrée très généreuse envers nous. Où sont tes parents? Ah. Il les a tués tout à l'heure. Vous vouliez me parler de quelque chose, docteur? Je viens simplement de la part de l'hôpital pour t'informer que nous ne serons plus en mesure de te fournir des ressources. Tes recherches finiront très vite par ces suites. Osez venir chez moi pour me menacer. En fait, il a fait des recherches sur ses parents, c'est ça? Allez, go. Bon, je sens qu'il y a un zonzon qui va se pointer. Comme tout à chacun. Bonjour! Petite save. Petite save. On est safe, les mecs, ici. On est extrêmement safe.
Allez. Voilà. On fait le save jusqu'au bout parce que sinon 7h24. C'est pas mal. Allez. Bon, et puis 30 000 direct go la go l'endurance et on sera très très bon comme ça. Ah, attends, je vais pas péter cette merde. Voilà, ça sert à rien ces cadeaux. Et il y en a pas un autre là qui traîne? Non. Allez, c'est parti. Ok, donc ça sent le truc chelou là. Ah, ça s'est fermé derrière moi. C'est ça? C'est ça. Ok, ça sent le truc méga glauque. Moi je peux. Oh merde! Merde. Ah, c'est bon. Tout du long. De toute façon, tu ne t'en remettras jamais. Retirer la peau intacte. Intacte. Les pensées de l'esprit. De quoi est-ce que tu as peur? Ruvik. Ok, il se passe un truc par là. Ah, j'ai récupéré des clés au fait. Faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie que je peux les utiliser là. Point de contrôle. Ok, ça sent le boss. Peut-être pas Ruvik. Mais je sais pas, on va voir. Donc, je peux rusher, j'en profite. J'en profite tout. Moi je bourrine tout le temps comme un bœuf les portes quoi. Ah, effectivement ça sent le boss. Ah bah c'est Ruvik. C'est... Non, c'est un grand bonhomme bizarre. Ah ouais, oula, bizarre. Faut que je le suive, faut que je fasse quoi? Non, faut l'attaquer. Hein. Je vais essayer d'aller par là. Je pense qu'il faut se barrer. Enfin, essayer de se barrer tout du moins. Ah oui, d'accord, fonce-car le bordel. Wow! Shit! Oh putain, faut que je passe à travers les câbles. Oh la connerie. Oh, ça sent la connerie ça. Je suis tellement pas doué à ce genre de truc. Oh, il y avait un bocal de pisse. Tant pis. Tant pis, tant pis. Pire, si je crève, je recommencerai. Hop. Allez, go. T'as le truc méga psyché de la personne, quoi. D'accord. Des têtes géantes de mannequins. Ok. Ah, non mais les mecs étaient quand même chauds quand ils ont fait ce jeu. Ok, donc on est parti sur un labyrinthe. Merde. Voilà, on est dead. Rendez-moi ma soeur. Merde. C'est quoi cette blague? Mais what? Oh putain, j'avais pas vu! Allez, connard! Oh putain, d'accord, ok, j'ai pas le temps, quoi. Pas le temps de niaiser, comme on dirait, comme dirait l'autre. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris le projet. Il y avait un petit cadenas sur la grille qui s'est ouverte. Enfin, qui est tombé, sur la grille qui est tombée. Un petit cadenas, évidemment, que je n'ai pas vu parce que il a la même gueule. La même couleur que la grille et tout, donc... Bon, allez. Alors, ouais. J'allais dire, je me demande si on peut... Allez! Putain! Ok, très bon. Très très bon, là. Vite! Très très bon. Oh merde, la blague. Ok, c'est bon. J'avais pas vu. Ok, ça serait trop facile.
Ok, des pièges à loups. Merde. Oh, pas mal, pas mal. Bocal de pisse. Ok. Allez, go. Nickel. Nickelou. Ah, ça va, ça va. On s'en est bien sorti. C'était pas très dur. Ça n'a aucun sens, hein, on est d'accord. Mais c'était pas très dur, finalement. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Mais le mec est complètement fonce-car, quoi. Et là, on se retrouve... Ah, ben, on se retrouve là. Ah, d'accord. Bon, c'est con, j'ai loupé le... J'ai loupé le bocal de pisse. Ça, je le pète. Je regarde si je peux pas péter d'autres trucs. Allez, on va lire le rapport. Fragment de carte. Ah, d'accord, je croyais que c'était un truc de texte à lire. Fragment de carte. Ok. Oh, attends, il y a un petit tableau, là. Des tournesols. Pas la première fois qu'on envoie des tournesols. Ça a peut-être un lien, tout ça. Oh, pas mal. Ah, bah ouais, voilà, des tournesols. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit des mecs qui peut-être vont cramer une grange. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir ici? Non, mais je me connais. Si je tombe sur un Romain, je vais cramer une grange. Non, non, mais c'est mieux que je reste ici. En plus, j'ai mes potes et tout. Un Dédé! Voilà. Ah, putain. Je me rappelle de ça, j'avais dû voir un morceau de let's play sur ce truc, ça me parle. Ça me parle. C'est vrai que franchement, là, on s'attendrait pas à avoir ce genre de décor dans un jeu comme ça. C'est stylé en plus, regardez. Bon, c'est un peu moche. Mais faut pas trop zoomer, quoi. Faut pas trop être curieux. Pas trop être curieux. Putain, mais des carreaux. Et là, on commence à être pas mal en termes de munitions, hein. Là, on est pas mal en termes de munitions, sans déconner. Ok, là, il n'y a rien. Par contre, c'est les champs de machin à perte de vue, quoi. On entend des bruits, le bruit du vent. Ou des vagues, comme s'il y avait la mer pas loin. Ou... C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a une ambiance, il y a une ambiance. Ah, encore un carreau. Ah, c'est... Oula, détends-toi, Jean-Jean. C'est un carreau explosif, je crois. Ah bah d'accord, en fait, c'était... Il fallait juste simplement rentrer dans la grange. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens là, sale enculé! Salaud! Vas-y! Oh, il baisait sa sœur, non? Ah ouais, donc c'est bien ça. Ok, je comprends pas bien ce qu'ils foutent les deux fantômes là. Ah ouais, d'accord, donc c'est bien ça. En gros, c'est des pécores qui se sont vengés. Je crois qu'il y a des gamins là-dedans. Moi, j'ai rien entendu. Qui se sont vengés, qui ont cramé la grange. Mais bon, le fait qu'il y ait des gamins, c'était plutôt un dommage collatéral. Même si je pense qu'ils s'en doutaient quand même. Hein. Oula, oui. Ah, donc c'est le gamin qui était en bandelage tout à l'heure, qui faisait du piano et donc qui a tué ses parents. Pourquoi il a tué ses parents, ce con? Faut pas que je reste ici. Bah oui, mais dans ce cas-là... Ça serait pas mal de pouvoir bouger, parce que là, je ne... Voilà. Bande de cons. Alors, faut que je trouve une échelle, du coup, j'imagine. Ah non. Tout simplement. Ah, ça sert à quoi, ça? Ah oui, d'accord, ok. J'ai compris.
Ok, on peut pas aller au-delà. Et là, je leur fais monter un peu pour accéder à l'échelle, non? C'est pas ça. Bon. C'est pas ça du tout. Ouais, parce que là, il y a une échelle. Faudrait que je puisse monter, en fait. Attendez, il y avait un truc vers moi. Non? Putain. Ouais, d'accord. Ok, je peux plus du tout activer ces trucs-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc à faire? Ou alors, il faudrait que je tire sur la corde, là, peut-être? Je le sens mal. Ah, peut-être ça. Attendez. Oui, eh ben. Ah, oui, d'accord. Un truc qui n'a aucun sens. Tu tires une balle sur un rouage, ça le fait tourner. Aucun problème, les mecs. Waouh! Merde! Ah, encore le boss en bulle de caca. Ok, donc là, il va falloir se le farcir. Je pense. Putain, mais... Mais va derrière! Et je vous jure qu'il allait tout droit dans le truc. Hein. Oh, putain. Ah, putain! Ah merde! Oh puis ça sert à rien quoi. Des fois tu peux t'en échapper, des fois non. Complètement con quoi. Ah, puis la zone s'il te plaît, elle est toute petite quoi. J'ai presque plus de santé là d'ailleurs. Si je meurs... Je peux pas les cramer? Putain, mais ça n'a aucun sens, quoi. Pourquoi je peux pas les cramer? Des balles de peupon. Bah, clairement, il faudra essayer d'améliorer les dégâts du fusil. Hein. Est-ce que je peux pas me barrer, du coup? Non, je peux pas me barrer, là. Il y avait un truc là tout à l'heure, non? Ça m'a mis un truc. Je sais pas si je peux tirer dans le machin là. Ah, il y a un bocal de pisse. Il y en avait un deuxième. Ok, il se relève. Cinématique ou j'ai foiré peut-être. J'ai peut-être foiré. Alors, j'ai rien fait, hein. Fin de chapitre? Non, même pas. Ok, ça n'a pas de sens. Alors attendez, je vais me soigner. Voilà. Là, on est bon. On va rester comme ça, on va prendre le pistolet. Salut. Mange un peu. Il faut que tu gardes tes forces. Mes enfants. Je veux... Mais... Qu'il n'y a rien. Ok, là il y a un passage. Est-ce que je peux aller par là? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, juste le logo. On dirait que c'est verrouillé. Bon bah allons dans ce... En gros t'as des passages secrets dans les murs et tout. Ok. Oh, fin du chapitre.
Chapitre 9 terminé. Bon bah on avance. Non, je voulais pas faire un nouvel emplacement. Putain, non, fait chier quoi. En fait, ça marche pas, regardez. Je descends, ça ne marche pas quoi. Voilà, là ça marche. Ferme ta gueule quoi. Alors attends, qu'est-ce qu'on va faire? Eh mais... Il y a un problème là. Ça bug de ouf. Hein. On va supprimer celle-là. Oui. Voilà, et on va garder celle qu'on vient de faire. On va re-sauvegarder. Parce que je sens que ça va faire une couille. Voilà, c'est bon. Allez, hop, chapitre suivant. On a combien de temps? 38 minutes. Bon. On est good. On est dans les temps. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on est sur cette partie. Mais non, finalement, ça fait que 38 minutes. Donc là, les poupées, hein, les espèces de mannequins, on les a vues tout à l'heure. Ok, là, il n'y a rien. Allez, go. Ah, peut-être derrière. Ah, il y a peut-être quelque chose derrière. Attendez, attendez, attendez. Je vais être sûr. Non, il n'y a rien. Non, parce que s'il y avait un bocal de pisse, ça aurait été pas mal. Bon, après, le temps de sprint, très sincèrement, je pense que c'est un peu une connerie de l'améliorer à fond. Parce que là, on est très bien avec. Mais bon, on s'est dit qu'on faisait ça, on va faire ça. Et après, on améliorera le peupon, le pistolet, parce que c'est quand même pas mal, le pistolet. Améliorer les dégâts et tout à blinde, quoi. Mais est-ce qu'on aura assez? Parce que au bout d'un moment, on aura plus de... Ruben. On aura fini le jeu, on aura même plus le truc, quoi. Ça n'a aucune importance. Je n'ai fait... leur donner ce qu'ils méritaient. Et ils sont morts avec honneur. On va plus vite comme ça. Ce ne sont pas de simples recherches. D'après les rapports, une salle de save. On va visiter un peu. Je me sers de comme il me plaît. Vous avez raison. Ce ne sont pas des allumettes. J'avais plus d'allumettes alors? Attends. Où est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce que j'ai... Est-ce où mes allumettes, là? Attendez, il y a écrit 0 en haut, là. Pourquoi cette connerie? C'est ma volonté. Ouais, bon, j'ai l'impression que ça sert plus à rien, les allumettes, là. Ça, c'est la fête. Note du sous-sol du manoir. On m'a enlevé mes enfants. Était-ce le destin? Était-ce à cause de lui? Mon fils parfait, ça m'étonnerait. C'est à cause de cet incendie. Il a tout brûlé, tout emporté. Les enfants ne sont plus les mêmes, et Ernesto non plus. Il a dit qu'il prenait soin d'eux, qu'il était en sécurité. Mais maintenant, il me dit qu'ils sont morts. Comment est-ce possible? Une mère sentirait ce genre de choses. J'entends toujours la voix de mon petit, son rire. Ils viennent du sous-sol. C'est impossible. Une mère a besoin de ses enfants. Allez, on a foutre. Ta vie de merde, connasse. Bocal de pisse. Non, mais même pas, quoi. Ah, quoique, attends. Il y avait un truc. Non. Est-ce qu'on y va? Oui, on va aller chercher les... On va aller ouvrir les petits casiers là. Ah. Ah, ma tête. On va aller ouvrir les petits casiers. Peut-être qu'on va trouver des bocaux et qu'on va pouvoir enfin améliorer le sprint. Là, franchement, je suis en train de me demander si c'est peut-être si c'est une bonne idée de le faire ou pas. Est-ce que j'améliorerai pas tout en fait? Le flingue, le peupon, machin. Qui sait à côté? Est-ce que vous avez la moindre idée de comment fonctionne ce monde? Hein? Qui êtes-vous? La haine. La haine. La haine. La haine de Ruvik. Il est consumé par la haine. Il est dingue. Il cherche à se venger. Il veut récupérer. Ce qu'on lui aurait pris, il n'a aucune chance d'y parvenir. Il n'a aucune chance d'y parvenir, mais ce monde est... tant qu'il vivra. Vous venez d'entendre quelque chose? Aucun sens. Alors. Allez. On va gaspiller les petites clés là qu'on a récupérées. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre?
Allez, est-ce qu'on ouvrirait pas un truc en haut là? Je suis là. Putain, merde, des munitions de trucs, ça me sert à rien, fait chier. Allez, là-haut. Oh yes! 5000, oh putain, énorme. On peut s'en servir. Ah, en fait, ça reste ouvert tant qu'on n'a pas pris le truc. Alors là où il y avait ça, et là il y avait quoi? Ouais, ça je peux pas les prendre. Cool! Donc là, ça veut dire qu'on peut aller s'améliorer. Mais attends, mais c'est où la porte pour aller... putain. Tout à l'heure, elle était ouverte, celle-là. Ça n'a pas de sens, putain. À moins qu'il y en ait une autre que j'ai pas... que... Il y avait normalement une porte qui nous emmenait ici. Bah oui, non mais d'accord. Avant, elle marchait, maintenant, elle marche plus, quoi. Aucun sens. 31 000, je me dis que c'est quand même con de gaspiller pour 2 secondes de sprint en plus, quoi. Franchement, hein, je pense que c'est des conneries, mais bon. Allez, on va faire ça. On a fait tout ça pour ça, on va faire ça. Par contre, du coup, on est à 1800. On est à 1800. Les armes, voyons. Ah oui, évidemment. Précision, capacité, on s'en fout. Vitesse de chargement, on s'en fout. Alors, coup critique, ça peut être pas mal. Tiens, allez, on va mettre ça. Coup critique pour le peupon. Voilà. Là, on est bon. On a un lourd sprint. C'est pas mal. Voilà, allez. Petite save, et on est reparti. On a 44 minutes. Oui, encore 20 minutes, et puis on s'arrêtera là. À peu près. De mon côté, hein, ça vous intéresse sûrement pas, mais il est 21h47. Donc déjà, il est moins tard qu'hier. Oui, parce que du coup, bon, j'ai le même t-shirt. Mais on est le lendemain. Je fais pas deux parties d'affilée, finalement. J'étais chaud, mais en fait, comme je me suis levé tôt ce matin pour aller bosser. D'ailleurs, demain, c'est ma dernière journée. Après, je suis en vacances. Je commence vraiment à en avoir plein le cul de ce taf à la con. Donc, plus là, on fait vraiment rien, quoi. Pour ceux qui bossent dans l'éducation nationale... qui sont AED, hein, comme moi. Vous devez savoir ce que c'est. Hein. Les semaines administratives, vraiment de la grosse merde. Là, on range des dossiers dans des trucs. C'est vraiment de la merde. Putain. Oh putain, attendez voir. Ah, je peux pas le désactiver, ce truc. Ok, donc je passe là. Ah si, je peux le désactiver. Alors, attends. Je peux aller par là. Ah, on a récupéré encore de la soupe. Putain, c'est cool. C'est cool. Parce que du coup, ça veut dire... Ça veut dire qu'on va pouvoir améliorer nos trucs. Encore continuer à améliorer des trucs. Et ça, c'est pas mal. Tiens, dégage, toi. Eh, ces mannequins, je veux pas dire. Hein, mais ces mannequins, là, putain, mais RE7, quoi. RE7 total, les gars. Bon, ça, après, tu me diras, oui, bah, ta gueule, ça reste des mannequins. Effectivement. Hein. C'est des mannequins. Ok, il y a un cutard derrière. Ok. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ça les a peut-être réveillés. Et ils vont m'attaquer. Ouais, on a entendu un bruit derrière. What the fucking hell? Ah oui, d'accord. Ah, attends. Viens là. Oh merde! Ah oui, d'accord. Il y a une espèce de truc qui tourne. Ok. Une genre de lame. Bon. On va pas tenter de récupérer le piège, hein, tant pis. On va y aller tranquille. C'est quoi cette connerie? Ah, il y a un mec qui me tire dessus, là. Oh merde! What?
Vous avez vu, ça m'a bloqué, c'est quoi cette blague? Qui c'est qui me tire dessus? Je comprends pas là. Il y a quelqu'un qui me tire dessus, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est ça. Par contre, il est où? En face là? Ah oui, jouer une lunette. Ok, bon, de toute façon, rien à secouer, je vais te dire. Juste à rusher un peu, et puis c'est bon. Normalement, il ne devrait pas me faire de dégâts. Ok, là, il y a une échelle. Je vais quand même essayer d'aller par là, non? Il est où le snipe? Il est là. Ok. Je l'ai eu. Ce PD. Enfin, ce PD avec le respect, hein, toujours. Toujours le respect, hein, c'est plus. Je dis ce connard, enfin, c'est plus une insulte, quoi. D'accord? On n'est pas sur un truc. Homophobe. Je dirais plus homovore. Allez, hop. Du coup, go échelle. Voilà, comme ça on l'a niqué. Bon, c'était peut-être pas utile. Bon, je vais éteindre mon truc, attendez. Oh putain. Oh putain. Voilà, ça c'était du bien joué. Ok, peupon là. On prend même pas la tête. Cramage. Cramage. Je peux pas les cramer? Non, mais là, c'est une blague, là. Putain. Ah, mais merde! Ah! Connard! Fous-moi le camp! Putain, j'ai tout mis à côté, ce gros. Fils de pute, va. Oh là, la blague. C'est bon? Ah, de... T'es mort, toi? Il est où, ce con? Oh là 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 là, putain. Oh, je suis dégoûté, quoi. Bon, ça va, on récupère quand même énormément de trucs. Il y avait pas des balles encore, là? Non, c'est une bouteille de merde. On a foutre de ça. Bon, par contre, là, ça va être chaud parce que... Ah, putain, j'ai tout mis à côté. Je suis dégoûté, quoi. J'avais trop de balles de flingue et j'ai fait n'importe quoi. C'est le stress et tout, hein, évidemment. Batterie. Cette grosse batterie peut alimenter des appareils électriques en cas d'urgence. Ah. On a 2900... C'est pas mal. Et là, du coup, il n'y a rien. Ok. Bon, bah, go, hein. Manège de l'enfer. Oh, putain. On va se le gauler. Bon, je l'ai pas eu, c'est pas grave. C'est bon. Alors, attends. La batterie peut alimenter des appareils électriques. Genre ça, non? Là, y a rien pour alimenter. Y a même pas un petit texte, un truc, non? Bon, on va redescendre, je pense que... Ça doit être en bas que ça se trouve. Attendez. Ah non, je peux pas, je suis sur une échelle, évidemment. Ah bah c'est bon, il le fait là. Ok. Oh putain. Ah, j'aime pas trop eux. J'aime pas trop eux. Oh putain, il y a une hache. Il y a une hache. Ok, nickel. Je prends la balle que je viens d'utiliser, du coup. Alors, attends. Où est-ce que je peux utiliser un truc avec un moteur ?
Les motets. C'est pas ici déjà. Peut-être là, non. Non. Ah, faut que je repasse ici? Ok. Ouais. Là, non. Non. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Où est-ce que je peux utiliser un moteur là? Là, y'a rien, on est d'accord. Je suis pas fou, quoi. Ok, il doit y avoir un passage que j'ai pas vu, quoi. Y'a un passage que j'ai pas vu, quoi, du coup. Là-dedans, peut-être? Oh oui, il y avait que dalle, on est d'accord. Ah, mais là, je peux peut-être y aller. Ah, mais oui, je peux y aller, là. En fait, je peux passer le petit muret, là. Juste à me baisser. Ah, mais voilà, ok. Oh, merde. Ah, c'est bon. Ah, il se baisse aussi, lui. Il est intelligent. Oh, putain. Ok, bon. Ok, ça doit être ça. Ça, c'était sûr. Putain, mais... C'est une blague. Oh, wow. Ok, attendez. On va essayer d'aller là. Maintenant. Oh, je peux pas passer. La blague. Oh, la blague, je vais me faire tuer. Putain, bande d'enfoirés, quoi. Ils sont dead. Blague. Il est... Oh non, ils sont pas morts. Putain. Oh putain, mais lui... Mais eux, ils sont imbutables, quoi. Ah, ils crèvent. C'est bon. Oh la vache. Ces connards de base, quoi. Ah, attends, je... C'est une bouteille, j'imagine. Oui. Ils auraient pu me drop une hache ou une connerie, hein, pour m'aider, non? Ok, voilà. Là, il y avait un truc. Putain, des allumettes, quoi. Ok, des caisses. Ça, c'est cool. Je prends. Et des carreaux qui me servent à rien parce que je suis full, évidemment. Ok. Le moteur. Voilà. Je sais pas si ça existe, ce genre de moteur, mais... Ok, je peux aller par là. Évidemment, il y aura 3000 connards, donc on va rusher. Ah ouais, d'accord, ok. Évidemment. On va y aller tranquillement. Allez. Petit soin. J'en ai plus après, hein. Ah putain, j'ai plus de seringue, quoi. J'ai fait vraiment l'autiste, là. Je tiens à le préciser. Le putain d'autiste. Des balles de flingue. Et ça, c'était quoi? Ah, un morceau de la carte. Ok. Bon, allez, on descend. Je pense qu'il n'y a rien, là. Ouais, on va pas se faire chier à... Les buter ou... Oh, what? Ok, il y a un mec chelou. On a combien de temps de vidéo? 57 minutes. Aïe, j'espère qu'on va pouvoir save. Est-ce que je crame ce truc?
Oui, on va cramer. Dans le doute. Parce que si s'il se réveille derrière nous et tout, ça va pas être cool. Est-ce qu'il drop un truc par contre, ces enfoirés? Que dalle. Putain, merci les gars. Franchement, ça fait plaisir. Ah, un truc électrique. Putain, j'ai plus, presque plus de munitions. Point de contrôle. Oh putain, c'est quoi cette zone? Qu'est-ce que c'est que cette zone? Oh là. Oh, ça pue la merde. Oh, ça sent le caca par ici. Ça sent l'énorme caca. J'ai récupéré une seringue, c'est toujours ça. Ah, oh, deux. Je peux pas l'ouvrir. Et du coup, ah, il y a un truc à activer. Mais c'est pas activé, c'est ça? Et là, il y a des pièges à la con. Est-ce que je peux aller par là? Il y a la Vierge. Attendez. On va faire un test. Parce que je le sens mal. Est-ce que je peux taper en étant accroupi? Ah, voilà. Donc, je ne pense pas. Voilà. Non. Ah, voilà. Oh, putain. Non, pas lui. Ah, pas eux, je les déteste, quoi. Allez, cramez vos mères, bande d'enculés, là. Ah, mais... Ah, si, j'allais dire, putain, ils drop vraiment rien à chaque fois, c'est des connards, quoi. Qu'est-ce que t'as, là? Vite. Ah, merde. Voilà, c'est good. Parce que eux, faut vraiment les cramer, hein, sans déconner. Voilà. Là, on est très très bon, là. Bon, je pense pas qu'ils se relèvent. On a encore 3 allumettes, on va les garder. Là, on peut peut-être les attirer. Et tirer sur le piège. Je vois pas où ils sont en fait. Ok, c'est le gros là. Ah merde, non, il passe là? Oui, non, mais là ça va pas m'aider s'il passe. Viens là. Vite. Yes. Ok. En fait, faut être malin, quoi. Faut essayer d'économiser un maximum les munitions, et du coup, faut... pas hésiter à faire preuve d'ingéniosité pour les démonter, ces bâtards. Putain, tout ça pour un bocal, quoi. Alors, du coup, ici, il y en a encore un. Là-bas, on a un élément important, je pense. Putain, mais... Ok. Merde! Ok. Attendez, est-ce que je peux tirer ça sur le piège du coup? C'est bon. Bon. Je lui ai fait un putain de beau headshot, quoi. Alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est très très bon. Oh putain! Oh, je l'avais pas vu! Oh là là, je l'avais pas vu, quoi.
Ah d'accord. Ok, merci les mecs. Putain, je suis vraiment un sac à merde. C'est blindé de pièges, quoi, ici. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant des pièges, hein. Franchement. Ok, y a rien. Oh, what, c'est quoi cette ambiance à la con, là, encore. Fait bader, ça, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas un piège, là? Tout est rouge, du coup, on voit plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, putain, j'ai cru que c'est une bestiole. C'est un vieux drap de merde. Ok, bon, bah, la labyrinthe land, hein. J'avance, direction l'inconnu, quoi. Petite balle de snipe. Point de contrôle, ok, si tu veux. Attends, est-ce que je peux aller derrière? Non. Ok, bon, je pense pas que je... Peut-être j'ai oublié un truc. Ah. Ah, merde. C'est bon. Ok, là, il y a un petit truc pointu. Donc, faire attention... Ah, bon, ça je pense que ça va s'activer évidemment. Hein. Ce truc là. Il faut que je me casse vite, 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 vite. Ok, il y a une porte derrière. Ah, ça. Ok, ça a activé le truc. Pas s'activer ce. Bon, là je vais rusher. Hein. Je vous le dis tout de suite. Rushage. Même pas le... Oh merde! Oh putain! Ah oui, d'accord. Ah putain de merde. Oh mais what? Wow! Ah, je suis mort. Ok. Ok, donc faut peut-être pas rusher en fait. Ou alors faut rusher, mais faut savoir où aller. Le problème, c'est que je ne sais pas où aller. Ok, 1h05. Putain, on va s'arrêter là, les gars. Je suis désolé. Putain, ça veut dire qu'il faut que j'enchaîne une deuxième heure de jeu, là. Directement. Écoutez, on retente un dernier coup. On retente un dernier coup. Et après, on s'arrêtera là. Ok. Là, il n'y a rien. Allez, putain. Du coup, j'ai pas compris où passer, là. Tout était bouché. Là, il y a un passage derrière. Putain. Ah, mais c'est tendu, là. Méga tendu là. Wow! Quoi ce truc énorme là? Oh putain de merde! Oh putain de merde, merde, merde. Je vois rien, je vois rien. Ok, c'est par là. Mais là. Vite, 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 vite. Je comprends pas ce que ça fait ça. Ah, ça fait. Ça déplace les pièges, mais ça sert à rien quoi. Ça sert à rien! On est d'accord. Oh merde. Ah si, c'est bon. Ouais, bah là c'était sûr. Ouais, laisse tomber. Bon, on s'arrête là les mecs. Je suis désolé hein. Ça m'a l'air méga antisémite ce truc. Putain. Là je me vois pas me retaper une partie là. Enfin pas tout de suite. J'ai pas mangé encore. Il est 22h10. Écoutez, je vais mettre sur pause. Je sais pas si si je vais continuer. Est-ce que je vais revenir ici hein. C'est ça la question. Donc je vais mettre sur pause comme ça. Du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine partie. J'espère que celle-là vous aura plu et que ce let's play continue à vous plaire.
Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Allez, ciao !